Quels thèmes ont été suffisants pour comprendre le thème du vidéo? Tri des déchets alimentaires. Le tri des déchets alimentaires est complémentaire des autres actions de prévention et de gestion des déchets. Centre de compostage. Les déchets alimentaires collectés et les déchets de jardin déposés à la déchetterie vont ensuite être emmenés dans un centre de méthanisation. Compostage pour être traité. Le compost servira alors d'engrais pour l'agriculture. Le compostage, c'est quoi? Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence d'eau et d'oxygène par le biais de micro-organismes. Il peut être réalisé en tas ou en composteur. Le produit obtenu compost est un rendement très utile pour le jardinage. Nommez les déchets qu'on peut composter. Les déchets de cuisine, épulsures, légumes et fruits abîmés, crus ou cuits, coquilles d'œufs, eau d'huître broyée en poudre, thé, marque de café. Et en petite quantité, reste de repas d'origine végétale, pâtes, riz, purée, sans sauce, pain sec bien émietté. Composter les déchets alimentaires.